Société civile et volontariat, c'est sur ce thème que les membres de l'association Jeunesse, Développement et Progrès ont célébré la Journée internationale des volontaires ce vendredi 8 décembre 2023 à Brazzaville. L'événement qui a donné lieu à une journée scientifique sur le volontariat était placé sous le patronage du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales Germain Cephas et Wangui. Cette journée est l'occasion d'inciter les populations à un engagement citoyen, selon le président de cette association, Ghislain Armel Densimba. Le volontariat est en effet un moyen puissant pour mobiliser les jeunes dans le processus du développement de notre pays. C'est un outil extraordinaire pour promouvoir la participation citoyenne et l'inclusion des jeunes. Il permet aux jeunes de participer à des activités clés de la vie sociale, tout en engageant en expérience et en maturité. Consacré par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 40-212 du 17 décembre 1985, la Journée internationale des volontaires a été l'occasion ici pour le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et ONG de féliciter le pragmatisme de certaines organisations de la société civile avant d'exhorter le président de cette association ainsi que les jeunes volontaires à observer les principes auxquels ils se sont assignés. Tous ces jeunes que vous êtes, leaders en devenir, je vous exhorte à devenir des vrais volontaires pour votre pays. Le pays qui est notre patrimoine commun par excellence, notre patrimoine sacré que nous devons servir tous avec abnégation, avec honnêteté, avec esprit de sacrifice, partout où nous sommes, de contribuer à créer les conditions optimales du vivre ensemble dans l'unité, la cohésion et la paix. Existe depuis le 22 septembre 2013 à Brazzaville. Elle procède chaque année au lancement officiel des activités sur la conscientisation des jeunes.